Bienvenue dans la rediffusion. Tout le monde, je suis présentement à Claire 2016 et je viens d'arriver ce matin, j'ai donné la conférence d'ouverture hier. Bonjour tout le monde, alors s'il y a des gens qui se joignent à nous, je vous invite à vous présenter, à nous dire bonjour. Bonjour Gilbert. Je vous invite à nous dire bonjour, à faire un coucou, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez. La journée va bientôt commencer ici à Claire et je vais faire quelques diffusions ce matin. Donc, je vais commencer par vous faire une petite visite des lieux. Donc, que vous ayez le sentiment d'être ici un peu. Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien. Donc, tout à l'heure tourner la caméra, prendre la caméra arrière. Bonjour Laurent, bienvenue. Je vais donc vous présenter de quoi a l'air quand on arrive ici à Claire, ça ressemble à quoi quand on commence. Donc, on va voir qu'il y a plein de gens qui sont ici. Et je vais vous faire visiter un peu les lieux. D'accord? Ici, on est dans l'entrée. Comme vous le voyez, on a des participants qui arrivent à Claire. Et quand on entre dans les lieux, vous allez voir ici, il y a beaucoup. Bonjour Laurent. Donc, c'est les gens à l'accueil. Alors, ici, on va voir. On a le comité d'accueil, nos gens qui sont là, qui nous accueillent. On est très bien accueillis ici à Claire, toujours. Bonjour Pascal. Alors, ici, il y a l'affiche, l'entrée. Donc, je vous amène. On a même le code QR quand on veut avoir accès au programme de la journée. Alors, c'est une école. Donc, ici, on a le carrefour au milieu quand on arrive qui est là. Donc, les participants se réunissent ici. Donc, en entrant, on peut s'avancer vers ce qui est le gymnase. On est toujours bien accueillis ici. Les gens nous saluent, nous sourient. Et donc, dans la salle, c'est ici que les événements, les grands rassemblements ont lieu. Alors ici, peut-être ça paraît pas, mais en fait, c'est un gymnase ici. Donc, c'est un espace pour le sport, mais il a été complètement transformé en une salle de conférence, en réalité, avec plusieurs écrans. Comme vous le voyez à l'avant, il y a trois écrans. Et de chaque côté, là, ils ne sont pas encore allumés, mais vous le voyez, il y a aussi de chaque côté des écrans. Ça fait TEDx, oui, un peu. Bon séjour. Un jour, j'espère participer à Claire, bien sûr. Oui, OK, sûrement, Gilbert. Pascal, allô à Jocelyn de ma part. OK, si je le croise, je salue ta part, Pascal. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que chaque côté ici, vous voyez, deux écrans. C'est ce qu'on appelle le back channel. Donc, en bon français, le fil de Claire 2016, qui est affiché pendant les activités où tout le monde est réuni ici. Alors, hier soir, j'ai donné ma conférence ici. Donc, j'étais installé à ce lutrin qui est juste là, où on voit un des organisateurs qui est là. Et donc, c'est ici que j'ai fait ma conférence hier. Et donc, aujourd'hui, je me sens vraiment libre parce que j'ai donné ce que j'avais donné hier. Et aujourd'hui, je profite des lieux. Et je vais donc vous circuler. Ah tiens, Pascal, ton ami Jocelyn, on vient de le voir là, dans le corridor. Alors, on est tous bien, c'est très bien organisé. On a Mario aussi, un des organisateurs. Bonjour, Mario. Alors, donc, très belle conférence de Benoît hier. Oui, très belle. Petit Benoît sur Twitter, là, c'est pas bon ça. Ça devrait être grand Benoît. Ben, merci Mario, c'est gentil. Alors ici, donc, tous les participants sont là. Donc, ici, je vous amène, vous allez voir, ils sont bien organisés. Écoutez, on a tout le monde un numéro à l'heure de l'inscription et on a un vestiaire. Et imaginez-vous, quand on arrive dans le vestiaire, on a même notre numéro. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment bien pensé. Alors, chaque participant a son crochet avec son numéro. Donc, on peut retrouver facilement nos choses. Donc, c'est très, très bien fait. Excusez. Donc, il y a deux vestiaires, un pour les autres numéros. Mon vestiaire, c'est au fond, là-bas. Donc, voyez-vous, quelle organisation bien faite. Alors, on va circuler, je vais vous montrer les lieux et vous allez voir que plus tard, dans l'avant-midi, je vais aller circuler dans l'école parce que, bon, ici, on a le carrefour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a le bureau de la direction qui est là au fond avec l'accueil. Mais ici, dans le corridor, il va y avoir des kiosques. Soit des organismes ou des projets que des gens ont mis en place. On voit ici Jacques Cool et Claude Prenette avec Decard 21. Donc, c'est ça, les gens vont venir nous présenter leurs différentes initiatives. Là, je vous laisse vous installer, je ne vous dérange pas. Je viendrai vous voir tantôt. OK, c'est bon? Oui, je viendrai vous voir. Alors, ici, donc, il y a plein de gens qui vont installer des kiosques. Je pourrais venir vous présenter certains d'entre eux. Donc, ils vont nous montrer des bons coups. Des bons coups pédagogiques qu'on peut avoir. Donc, il va y avoir plusieurs kiosques dans le corridor ici, on peut circuler. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, il y a l'école. Les élèves sont là, ils vont être là toute la journée ici.
Et donc, voyez-vous, il y a même des élèves qui sont ici. On voit un premier, c'est la radio, son nom, la radio étudiante. Alors, voyez-vous, ils vont nous présenter. Je pourrais venir faire des entrevues tout à l'heure avec les jeunes d'ici. Donc, je ferai plusieurs diffusions que je... Si je suis sur le Wi-Fi, oui. Oui, je suis sur le Wi-Fi. Est-ce que c'est bon, le signal, Pascal? Est-ce que tu arrives à bien suivre? Oui. Donc, voyez-vous, c'est près de la cafétéria ici. On voit des gens qui sont là, toujours souriants ici. On est toujours bien accueillis. Donc, la cafétéria de l'école, avec une belle murale ici. Donc, voyez-vous, les élèves sont en classe en ce moment. Et nous, on peut visiter chacune des classes. Et selon les classes, eh bien, il y a des thématiques différentes. Et on va pouvoir aller... je vais aller vous présenter différents projets. Je fais peut-être des entrevues avec des élèves. Donc ici, on voit d'autres qui sont en train de s'installer ici. Donc, des belles initiatives. Le forum des pratiques gagnantes. Hein, c'est le forum des pratiques gagnantes. C'est des kiosques un peu partout dans les corridors. On va en voir quelques-uns. Et donc, je pourrais peut-être faire des entrevues avec certains d'entre eux aujourd'hui. Voyez-vous, ici, c'est un studio en ondes, un studio de radio étudiant. On voit des élèves à l'œuvre qui sont déjà là. Donc, les élèves ne sont pas en congé aujourd'hui. Ce n'est pas une pédagogique. C'est une journée d'école et c'est l'école en entier qui nous accueille. Donc, tout le monde, donc, on est vraiment dans un milieu de vie. C'est ça qui est particulier de Claire, c'est que ce n'est pas un événement qui se passe en marge des activités pédagogiques. C'est au cœur des activités pédagogiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vie ici. On voit, hein, les gens sont très actifs. Donc, ils sont tous en train de s'installer présentement. Il y a de l'effervescence. Donc, mais malgré qu'ils sont en train de s'installer, eh bien, encore des participants qui circulent un peu partout. Et donc, vraiment très, très intéressant. C'est un milieu de vie très intéressant. Voyez-vous, même la concierge sur son travail est là. Donc, on peut circuler librement partout dans l'école. Il y a une grande ouverture et c'est merveilleux pour ça. Je trouve que c'est vraiment un concept qui mériterait d'être produit à large échelle. Donc, d'ouvrir nos milieux, d'ouvrir nos écoles, d'inviter des gens à venir voir ce qu'on fait. Et ça oblige les élèves à la rigueur, à faire des productions. On sait qu'il y a des gens, ça donne beaucoup de signifiance parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir regarder ce que l'on fait, ce que l'on produit. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait un peu le tour. Ça m'a été partout dans l'école, mais je voulais faire un premier tour d'horizon. Et vous aussi, on entend la musique des élèves qui sont en train de pratiquer, de faire de la musique. Donc, on va prendre des photos, on va tout ça. Puis on peut rentrer dans l'école et aller voir ce qui se passe. Et donc, on peut vraiment présenter. Donc, c'est vraiment très, très bien. Sur Periscope et vous venez de jouer une belle pièce pour mes abonnés qui ont eu la chance de vous écouter. Merci beaucoup. Allô? Allô, allô? Merci. Bonne journée. Merci. Donc, voyez-vous, on est en plein action. Donc, on peut visiter tout ce qui se fait ici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton nom? Moi, c'est Monique Saunier. Monique, OK, oui, d'accord. Je suis enseignante d'un studio. J'appelle le studio PUA. Okay. Puis aujourd'hui, je suis ici pour parler de ma micro-entreprise, qui est l'événement PUA. Chaque année, au mois de mai, on fait un événement qui comprend un film qui est montré aux parents, un moyen-métrage. Et puis, il y a aussi des numéros sur scène. Et on fait un vernissage d'art abstrait. On a un partenaire qui s'appelle Matt Leblanc qui travaille avec nous. Puis, ça fait 5 ans qu'on fait cet événement-là. Puis une partie des dons est donnée pour les enfants malades. Ah, donc, jusqu'à date, dans 5 ans, dans 4 ans, on a donné 10 600 $ à une fondation. Ah oui, donc ouais. C'est ça. Puis comment vous ramassez vos fonds? Avec la vente des toiles. On fait des toiles de bras abstraits. OK. Les jeunes ont fait 2 ou 3 toiles qui sont vendues à 20 $ chacun. Ça fait les parents sont bien contents de les acheter.
Puis bon. cette vente-là, là, ça reste pour... Mais on a une partie des fonds, de nos ventes de billets, tout ça, qui va rester à la micro-entreprise, parce qu'à chaque année, on a un roulement. Là. Mais Place aux compétences nous aide avec tout ça. Okay. J'ai un budget, là. D'accord. Peux-tu expliquer ce que c'est? Parce que moi, mes abonnés Périscope ne savent pas c'est quoi ce Place aux compétences. Place aux compétences. Peux-tu expliquer ce que c'est? Oui, bien ça, c'est un organisme qui vient en aide aux différentes micro-entreprises, différentes classes. Puis, c'est ça. C'est surtout aide avec le financement. OK, aide tu dois faire une demande. Tu remplis un scénario d'apprentissage. Puis après ça, eux autres, ils font la décision. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick, ça? Oui, hein? Oui. Ah ben c'est bien. Merci beaucoup Monique, c'est très gentil de ta part de nous avoir parlé de ton projet pur. Ben, hein, c'est bien. Beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi Monique. Alors on va continuer la visite pendant qu'on revient à notre point de départ. Alors c'est ça, donc je vois qu'il y a quelques gens qui se joignent et qui vont et viennent. Donc je vous invite à revenir à une prochaine diffusion. Ici on est au Carrefour. Donc, je vais mettre fin bientôt à ma discussion. Je vais tourner la caméra. Saluer avant de quitter, mais je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais donc faire quelques diffusions cet après-midi. Je vais d'abord m'intéresser, voir ce qu'il y a, puis je ferai quelques petites entrevues avec des gens sur place pour expliquer, qu'ils puissent nous expliquer ce qu'on peut visiter. Donc, vous aurez peut-être la chance d'être un peu à faire, même si vous n'y êtes pas. Donc, je vais vous permettre cet accès-là ce matin, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire ici. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou qui ont des souhaits, parce que vous êtes peut-être allé voir le programme de Claire, et peut-être que vous vous dites qu'il y a des choses que je trouverais intéressantes d'aller voir, que j'aimerais, si vous avez des choses, des demandes particulières, c'est le temps de les faire. Sinon, bien, moi, j'en profite pour vous saluer. Donc, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de diffusion Périscope. Merci, Gilbert. Merci. Oui, d'accord. Alors, on aura peut-être la chance de se croiser au courant ici au Québec, au Nouveau-Brunswick. On est l'avant-midi. Il est présentement 9h23 au Nouveau-Brunswick. Donc, je sais qu'au Québec, c'est une heure plus tôt. Et en Europe, ben, on est en mi-journée, je crois. Hein, alors, on va peut-être se voir le courant de votre après-midi. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À tout à l'heure. Au revoir.